Le samedi 14 septembre 2019 a été une date mémorable pour les fidèles de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Cette congrégation religieuse a connu un réaménagement structurel au sein de la JPC, entendue par là Jeunesse pour Christ. En effet, le bureau national de cet organe a procédé à l'installation du bureau régional à l'église locale de Balise 2 pour un mandat de 3 ans. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je t'installe aujourd'hui sur ta chaise d'intendant régional au Guéma-Maritime. Après avoir rappelé aux fidèles les missions que s'est assigné cet organe, le bureau sortant, par la voix de son président, a présenté son bilan. Comme nous le recommande notre règlement intérieur, des conférences ordinaires et responsables ont été organisées à chaque début d'année solennelle. L'objectif visé étant celui, non seulement de présenter le rapport d'activité de l'année écoulée, après le travail abattu par les différentes coordinations, mais également proposer des projets et des activités de l'année synodale. Par la grâce de Dieu, les activités programmées par l'intendance régionale ont pu être réalisées dans leur ensemble. À peine installé, le bureau entrant ambitionne poursuivre l'œuvre de son prédécesseur tout en apportant des innovations. Pour ce nouveau mandat, nous voulons axer notre travail sur deux piliers qui va dans le sens de la continuité de nos prédécesseurs. Ces deux piliers reposent sur le règlement intérieur à son article 4, alinéa 1, former et édifier les jeunes afin d'être des reflets authentiques de Jésus-Christ. Alinéa 2, éduquer la jeunesse afin de favoriser leur épanouissement et leur insertion dans la société. Et face aux nombreux défis à relever, il est important pour les leaders de cette confrérie de confier au Tout-Puissant le projet noble du bureau entrant. Une onction nouvelle vient d'être déversée. De nouvelles batailles et de nouvelles victoires ont commencé. Notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ces instants. Nous voulons te dire, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été fait ici ce soir va demeurer. Au nom de Jésus. Envoyé à l'exercice de sa fonction, le nouveau bureau devra se doter des moyens conséquents pour atteindre ses objectifs.